mon âme, le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour ton joug est facile, ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Trop longtemps le monde trompe à mes désirs, changeant comme l'onde sont tous ses plaisirs. Sa joie est frivole, tout est vanité, seule ta parole est la vérité. Oui, trop longtemps le monde trompe à mes désirs, changeant comme l'onde sont tous ses plaisirs. Sa joie est frivole, tout est vanité, seule ta parole est la vérité. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Parole, parole éternelle, ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habite en mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Parole éternelle, ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habite en mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Alléluia, 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 source, source de l'eau vive, bienvenue des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le source, ciel. Source, source de l'eau vive, bienvenue des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Alléluia, 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 alléluia.
commencer ta chose aujourd'hui. Premier bagaille ou gain pour faire, c'est louer, ponder à tout. Levez non moins à soleil là. Commencer ta chose aujourd'hui. Premier bagaille ou gain pour faire, c'est louer. Oui, pinga, oh gaspillez-en. Vijodia, condamnez-vous. Employé, talent où y'a bien. Nous tous pas jugés à la fin. Oui, pinga, oh gaspillez-en. Vijodia, condamnez-vous. Employé, talent où y'a bien. Nous tous pas jugés à la fin. Toute parole où y'a tout est sincère. Conscience où doit toujours plaire. Parce que Dieu est pour savoir faire. Les connes, toute pensée dans tout. Toute parole où y'a tout est sincère. Conscience où doit toujours plaire. Parce que
Nous pas n'importe qui laisse. Il y a un chant qui dit qu'il laisse moyen pour bon Dieu penser à même comme ça. Nous c'est petite li. Et li baï vie li pour nous. Amen. Nous c'est petite croix des rois. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons céder la place au pasteur qui va poursuivre avec nous pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous bénisse, mes amis. Nous sommes contents ce soir de nous retrouver ensemble pour passer ce moment dans la gloire de la présence de Dieu. Donc, ce soir, nous sommes là pour continuer notre séminaire sur le mariage, sur la famille. Et nous disons merci à notre Dieu, le grand Seigneur, le grand Maître. C'est lui qui permet que nous soyons là. Grâce à lui, nous avons traversé la journée. Je ne sais pas combien de fois que vous avez été menacé par Satan le diable, puisque son travail est de nous embêter, c'est de nous vraiment déranger. Et s'il pouvait même nous tuer, il l'aurait fait. Mais nous bénissons le nom de Dieu qui nous donne la victoire sur toutes les choses et qui nous a fait triompher de la puissance du malin. En ce soir, nous sommes là. Nous sommes retournés encore à la même place pour partager ensemble la parole de Dieu. Je vais vous inviter à lire avec moi un passage que nous trouvons dans Proverbes chapitre 22, le verset 6. Pour la gloire de Dieu. Proverbes chapitre 22, le verset 6. C'est un passage, certainement, qui n'est pas tout à fait, en fait, inconnu pour nous. Nous allons commencer dedans. Nous avions déjà parlé du rôle du mari, du rôle de la femme. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants. La paix, mon Dieu, avec vous. Salomon a dit dans le livre de Proverbes, chapitre 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Parole du Seigneur. Chers amis, il y a environ 2 jours, nous étions à la même place pour parler, décortiquer ensemble le rôle du mari, puisque vous savez que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Mais parler de la famille, c'est l'homme, la femme et les enfants. S'il n'y a pas beaucoup d'enfants, s'il y a un seul enfant, on peut dire de l'enfant. Mais en ce soir, nous ne pouvons pas en fait parler seulement du mari, parler de la femme et laisser les enfants de côté. Ce sera une erreur vraiment capitale. Puisque à un certain moment donné, le papa va partir. Quand on prend de l'âge, donc il faut faire place aux enfants.
que le papa, que la maman, à un certain moment donné, il faut que nous partions et laisser la place aux enfants. C'est vrai. À cause du péché, nous voyons parfois que le parcours même de la vie à la mort est inversé. Parfois, nous, les parents, nous enterrons nos enfants, mais ce n'était pas comme ça que Dieu avait prévu notre existence. Le parent devait vivre et passer par la mort. Ses enfants l'enterrent et après, les enfants aussi allaient faire des enfants et aussi leurs enfants le remplaceront. Mais le péché a renversé certaines choses. Mais nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont dans Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la victoire sur ce genre de choses. Et comme même quand l'homme extérieur est parti, mais nous savons que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est ça qui fait notre espérance. Amen, amen. Nous venons de lire un passage dans Proverbes chapitre 22, le verset 6. Le sage Salomon nous dit, il faut instruire nos enfants selon la voie qu'il doit suivre. Pourquoi qu'il doit suivre? Parce qu'il y a des chemins qui ne sont pas de bons chemins. Il y a des chemins, ce sont des chemins de la perdition. Et ça fait mal de voir une maman qui a vu pas mal de souffrances, même lors de l'accouchement de son enfant, qui a éduqué son enfant, qui a fait plein de choses pour son enfant. Et demain, elle va voir que son enfant devient du moins quelqu'un vraiment inconsidéré dans la société. Mais bien aimé, ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons. Aucune maman ne souhaite cela. Aucun papa ne souhaite cela. Au contraire, nos enfants devaient être nos carnets de banque de demain. Amen. Amen. Et que surtout dans la communauté haïtienne, nous savons et que les enfants, en fait, s'ils sont bien élevés, s'ils sont bien éduqués, quand les parents seront vieux, donc les enfants doivent être là pour assister aux vieux jours des parents. Mais à cause de la malédiction du péché, parfois nos enfants nous abandonnent. Parfois c'est quelqu'un que nous ne connaissons même pas qui nous assiste dans nos derniers jours. Amen. Mais parfois la vie demande à réfléchir. Parfois la vie demande à réfléchir. Parfois nous comptons sous l'IA. Nous comptons sous l'IA. Pensons, là nous vieux, nous pas été force encore. C'est eux-mêmes qui sont là pour nous, pour essuyer, fuguer nous, pour pas nous force, là, nous t'y l'emmène pour nous marcher, pour nous lever, pour pas nous t'y bain, nous t'y douche. Mais malheureusement, parfois, nous parlons. C'est d'autres mondes que nous pas de même connaître dans la jeunesse, nous pas de même utile en rien, lorsque nous sommes capables de tout le monde. C'est eux-mêmes qui assistent nous dans les derniers jours. C'est pour ça, c'est un conseil que je vous donne, mes bien-aimés. Pas jamais sous-estimer mon. Amen. Pas jamais sous-estimer mon. Parce qu'on ne pas savoir demain qui côté la vie ou qui est fini. Comment la vie ou qui est fini. Et qui est ce monde qui est côté ou dans le dernier soupir. Après, bon Dieu avec vous. C'est pour cela, le sage Salomon dit nous, dis-moi, dis-vous. Instruit-il mon yo, non droit yo, non chemin yo doit suivre là. Pour les vieux, pour pas détourner, à savoir le chemin de la vérité, surtout le chemin de l'Évangile. Les mouns pas connaître bon Dieu,
très souvent, pareil, on finit mal pour vous. Parce que le vrai chemin sur le plan spirituel, c'est Jésus. Si nous ne pas quitter Jésus, suivez-nous. Si nous ne pas suivre Jésus, pardon, en tant que le vrai chemin, certainement nous allons égarer dans notre nom. Alors, le conseil est donné. Élevons nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront vieux, ils ne vont pas se détourner de la bonne foi. C'est le premier verset que nous allons, que nous utilisons pour débuter en ce soir. Quand la préparation doit-elle, quand la préparation doit-elle commencer? Qu'il est préparation de la nouvelle génération que nous avons fait, que nous avons préparé pour demain, hein, doit commencer. Vous savez que moi avec vous, un jour nous avons parti. Et nous sommes venus, un jour nous avons joint une certaine personne. Maintenant, nous ne savons pas là, nous parti. Et c'est grâce à eux qui te prend soin de nous, qui te voyait nous l'école, qui te préparé à venir nous, qui permet nous la jodia. Amen. Il faut que nous allions aussi. Donc nous avons le droit, le devoir de préparer aussi la nouvelle génération. Il faut que nous pas préparer n'importe qui. Parce que Jean nous prépare aujourd'hui, hein, c'est qu'on s'aille au cahier demain. Le proverbe qui dit, Jean prépare, Kaban nous, c'est qu'on s'aille au dormi. Jean prépare samedi ou c'est qu'on s'aille au dimanche. Ou. Mais nous disons Dieu merci en tant que chrétien. Bon Dieu, ma intelligence, sagesse, pour nous préparer vraiment une génération qui connaîtra le Seigneur. Mais parfois quand même, nous posons certaines questions. Lorsque nous avons regardé, malgré le fort nous avons fait, chemin détourné, nous avons appris, nous avons dit, où est l'avenir même de nos églises? Où est l'avenir du travail de Dieu? Mais en fait, nous ne sommes pas Dieu. Il suffit tout simplement de faire ce que nous devons faire. Il faut que nous ne pas baisser les bras. Même les ça dure. Même les vraiment nous lutter pour nous. Mais il faut que nous ne pas jamais baisser les bras. Il faut que nous fassions travail nous. Ça nous suppose faire, il faut que nous fassions. Amen. Si bon Dieu appelé nous pour nous voir à l'école, il faut que nous voir à l'école. Il faut que nous prenions soin et instruire. Et si eux même, ils n'ont pas accepté l'instruction nous. Si vous rejetez l'instruction, nous ne sommes pas responsables à venir. Qui est? Nous avons commencé à préparer la nouvelle génération qui va remplacer nous demain. La préparation doit commencer à la naissance du bébé. Parce que mon proverbe qui dit, il n'y a pas de dressé bois qui cochu. Donc, le monde qui pensait que c'est le petit monde, non. Comment c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans? Il est bon pour dresser. Mais bien aimé, ce sera trop tard. Depuis bois, ni tant cochu, on ne peut pas dresser encore. Ce soit coupé le mot cassel. Amen. L'instruction de l'enfant, il dit au berceau, mais ce n'est pas même au berceau. Depuis petit monde tombé dans votre maman. Nous besoin commencer à faire éducation timoun, instruction timoun. Et maintenant, encore, nous apprendre avec la nouvelle technologie. Pendant timoun dans votre maman, papa peut commencer à jouer et puis. Amen. Papa peut commencer à caresser petit lit. Parler bay timoun non. Fait timoun non, en fait, et comprendre une série de bagailles. Parce que je dis moi, le papa a mangé votre maman, bon côté gauche là. Il dit, tu ne passes pas côté droite là, tu ne passes pas. Jeune maman, yo. Nous connaissons ça? C'est Jeannette, pas connaître ça? Moi, tant que je dis ça, c'est Juna. Lucas, pourquoi commencer à jouer petit monde, non? Puisque bon, nous savons maintenant, les enfants d'aujourd'hui, ils sont tellement intelligents, depuis petit monde, ont tombé la lumière soleil là. Ils ont appris à nous serrer des bagages que nous-mêmes. Lorsque nous avons 2-3 ans, nous ne pouvons pas connaître. Son réalité. Amen. Un petit moment de 2 ans, capable de jouer avec ordinateur, capable de jouer avec portable, il fait ça avec eux. Nous-mêmes, à 60 ans, 70 ans, 80 ans,
nous beaucoup attendre. Hein? Nous acheter portable là. Portable là en main nous. Et nous ni notice ça en main nous. Seulement allô, ça veut nous répondre. Cling cling cling. Allô, nous voulons un coup de fil aller. C'est vous le monde répondre monde. Lorsque pour nous font une manœuvre dans portable là, viens mon enfant. Tu me pour même Cali. C'est le même cas décortiqué portable là pour nous. Ça veut dire maintenant de plus en plus, tant qu'à aller, tu m'y as plus intelligent. Mais malheureusement, parfois, il n'y a pas plus intelligent pour servir mon Dieu. Il n'y a plus intelligent pour faire bagaille qui n'est pas bon. C'est ça, oui, et qui et Bible a relé manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça. Mais bien aimé, mon fini dit nous, la préparation de la nouvelle génération qui nous remplacera demain, doit commencer à la naissance du bébé. Toute préparation à former un bon foyer dans l'avenir doit commencer dès le premier jour de la naissance. Si nous voulons un bon foyer demain, une bonne société demain, une bonne génération demain pour remplacer nous sans inquiétude. Et bien, depuis petit moment là, fini né, dès la naissance, il faudrait nous commencer à préparer l'enfant parce que petit monde a commencé à gagner connaissance et nous avons ça. L'enfant commence à apprendre dès la première tétée. Depuis même côté, petit monde a fait une fête là. Maman mette tété à la bouche, petit maman est là. Si on a commencé à comprendre nos bagailles. Amen, amen, amen. Et si vous êtes, vous pouvez satisfaire ou retirer tes têtes dans la bouche, vous pouvez crier. Ça veut dire vente n'est pas plein. Qui en fait qu'on est vente n'est pas plein? Qui en fait ça veut plaire pour le plaire? Pour rebaler tes têtes. Ça veut dire que vous comprenez nos bagailles. Depuis là, il faut commencer éduquer tes têtes. Pas tant de 5 ans, 10 ans. Amen. Est-ce que vous pensez à moi, nous, la main, bien-aimé? Depuis que nous avons fini, pendant que nous avons commencé à être maman, nous avons senti mes mamans en bas de tête. Nous avons senti mes mamans en bas de tête déjà. Parce que pour battre mon tête, souvent, papa a compris que mes mamans ont mal. Si maman a commencé à sentir le même maman en bas tête li. Ti moun ka commencé senti déjà douet maman ka passé sous visage li, ka commencé caresser ti figure. Et ka commencé font ti sourire, la petite tétel et puis l'elle senti même maman ka passé dans visage li, li ka font ti sourire. Ça veut dire commencé connaître ça qui l'amour. La paix bon Dieu avec vous. La paix, bon Dieu, avec vous. Depuis que maman a fini, pendant que maman a battu la tête, et puis maman a battu la tête, et puis maman a battu la tête, et puis maman a passé, maman a mis le visage, maman a dit, maman a dit, petite façon, le café, il sentit, il comprend ça qui caresse. Comment se caresser petit tout. Amen. Ça, c'est très important. Maman, si je ne dis pas la vérité, je ne dis pas la vérité, parce que je suis un peu pour ça. Depuis petit monde, tout petit la petite tétéa, ou peut commencer par les bali. Parce que l'on parle bali, il attend de voir. Amen. L'on commence par les bali, il attend de voir. Non seulement il attend de voir, si monde pendant tout petit, il est arrivé à distinguer voir maman et puis voir d'autres monde. Nous pouvons remarquer ça, c'est ce bruit. Vous pouvez remarquer ça? Peut-être une 10 moments là, petit toi là, de pour parler, si mon nous savons, c'est maman qui parle. Si elle était bien tranquille, et qu'il t'a joué, oui, depuis le temps de voir maman, ouais, ouais, il dit maman, je t'en voir, mais je t'en ai. Parce que je ne peux pas porter dans la main, l'autre monde, c'est dans mon bras. Ça veut dire l'éducation, si mon comment? Éducation, si mon comment? Comment c'est? Nous besoin apprendre ça, mes bien-aimés.
nous supposons commencer éduquer ti moun non depuis notre premier jour à la fête là la comprendre ça ce moment là qu'a commencé comprendre qui ça qui l'amour il a commencé faire distinction entre voir maman lorsque lui fait il a commencé pleurer pour attirer attention pour faire pour faire comprendre quel besoin bagaille parce qu'elle pas qu'à parler. Frère Semé qui a dit, chaman, tu besoin manger. Mais si maman n'a pas qu'à dire, maman, tu besoin manger. Mais quand a commencé à faire grimace, comment tu l'école? Automatiquement, ou qu'a comprendre le langage, li, et lui-même aussi, le cap, parler bas à sa manière. La paix, bon Dieu, avec vous, mes bien-aimés. C'est pour être ça, nous ne pas négliger l'éducation de Timonio. Nous ne pas quitter les enfants grands, ceux des mondes. Qui commence les timons non grands, pour les timons non tout petits, ils ont quitté faire ça, ils voulaient. Et non, pas bon pour correction, ou chiré. La correction commence au berceau, dès le premier jour. Et si on ne pas faire ça, nous allons payer les conséquences là, cher, puisque plus tard, plus triste. Une autre chose, nous voulons considérer trois raisons qui doivent nous pousser à commencer si tôt la formation de la prochaine génération. Je vais vous donner trois raisons. Trois raisons fondamentales, trois raisons fortes qui vont nous faire comprendre, qui vont nous faire comprendre combien qu'il est important de commencer l'éducation de la nouvelle génération aussitôt. Déjà, première raison, c'est parce que c'est eux-mêmes qui ont remplacé nous. Nous ne sommes pas responsables. Ils ont une mauvaise génération. Les enfants se font une conception de Dieu de leur plus jeune âge. Les enfants se font une conception de Dieu de leur plus jeune âge. C'est pas seulement les choses matérielles, les choses de ce monde que l'enfant peut comprendre. L'enfant peut comprendre aussi les choses de Dieu. C'est pour cela l'important pendant ce moment-là tout petit, ou commencer à chanter de chants spirituels, de chants inspirés. Même la timon, elle ne peut pas chanter et puis où? Mais elle a commencé à comprendre qui ça qui chante chrétien, qui ça qui chante mondain. Nous allons utiliser quelques références bibliques. Nous avons le serviteur de Dieu qu'on appelle Moïse. Puisque là, nous sommes dans l'Ancien Testament, c'est ce que nous avions fait. Pour parler du rôle de Marie, pour parler du rôle de papa, nous allons faire la même chose aussi. Pour parler du rôle des enfants. Nous allons prendre le premier exemple sur Moïse. Pour prendre le premier exemple sur Moïse, nous allons lire Exode chapitre 2. Le verset 1er jusqu'au verset 12. Peut-être que ça va nous prendre un petit peu de temps, mais en un premier temps, nous allons faire la lecture. Et nous allons ensemble décortiquer, faire parler la parole de Dieu. Au nom de Jésus. La Bible nous dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Pour combien de temps?
la maman l'a caché pendant trois mois. Parce que à cette époque, le roi Pharaon avait donné des ordres de tuer tous les petits garçons. Donc, voilà, Moïse est né dans cette époque. Donc, on devait cacher Moïse pour que Pharaon ne le tue pas. Il était capable, il était capable de jeter dans le fleuve là. Depuis 2 ans, il était capable de jeter dans le fleuve là. Et ça a une grande signification. Là, il était jeté dans le fleuve là. Crocodile, il était capable de manger. Et crocodile, c'est un signe satanique. On va pas détailler ça puisque nous parlons dans ça. C'est pour ça que tout le monde qui a même été en fait un petit crocodile dans la chemise. Moi, avant, je me suis fait aussi. Mais lorsque je m'apprends la signification de crocodile, je n'ai pas fait ça encore. Bon, peut-être un jour, je vais décortiquer ça pour vous. Mais gros diable, Pharaon, on était dans la mer, c'était crocodile. Donc, mais bon Dieu plus grand, plus fort, plus puissant que Satan. Qui s'est utilisé pour tuer Timounio? Jeter dans la mer, dans le fleuve là, pour crocodile manger. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va utiliser le même fleuve pour sauver Moïse. C'est pour ça que Moïse a servi sauver des eaux. Amen. Lorsque l'enfant Moïse avait 3 mois, sa maman ne pouvait pas la garder encore. Parce que famille nous pas qu'à protéger nous trop longtemps. C'est seulement bon Dieu qui a protégé pour tout le temps. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de gens qu'elle enduit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Fleuve là qui était qu'à tuer, yo, hein? Était qu'à prendre, yo, non, mais maman, yo. La gueule dans le fleuve là, mais maintenant maman va le déposer sous le fleuve là et me défendre le crocodile manger. Parce que bon Dieu, qui prend soin, serviteur, quel que soit côté. Amen. C'est ça, somme 23, dis-nous, tout en nous a dit, les nous qui marchent dans la vallée, l'homme de la mort, nous ne pas faire aucun mal. Parce que bâton Seigneur, ou l'aide qui va nous porter, protection. Maman Moïse, mettez Moïse sous le fleuve là. Et l'histoire nous a dit, au verset 4, la sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce que lui arriverait. Grand sœur, il a crié Marie ou Myriam, il était obligé d'être loin pour te garder qui ça qui parle passé Timounan, parce que bon certain moment donné en vérité maman pas capable de faire pour vous, femme pas capable de faire pour vous, c'est seul bon Dieu. Vous ca regarder de loin, vous ca contempler de loin, mais vous pas approcher parce que la vie est aussi en danger. Mais bon Dieu a fait qu'a sacrifié la ville pour moi et pour vous. Et puis pendant ce à était de loin, t'es qu'à surveiller qui ça qui a arrivé Moïse. Est-ce que c'est crocodile qui a tué? C'est qui a passé? Mais bon Dieu avait déjà fait un plan pour Moïse. Amen. C'est pas capable de faire, bon Dieu n'est pas capable de faire. Le verset 5 nous dit, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu du champ. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Alors, Dieu a donné l'ordre à la fille de Pharaon de choisir ce jour même, le jour où Dieu a demandé à la maman de Moïse de mettre l'enfant sur l'eau. Il a envoyé la fille de Pharaon. Il a dit à la fille de Pharaon, va se doucher.
parce que tu vas faire quelque chose pour moi. Je vais t'utiliser pour sauver mon enfant. Et voilà. Ça, c'est pas coïncidence. Mais la vie, c'est pas coïncidence, non? La vie, c'est pas un accident relié. Bon, Dieu t'a planifié la vie. Amen. Le verset plus loin nous dit, verset 6, quand la fille a pris la caisse, elle l'ouvrit, elle vit l'enfant, était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Ou obligé de pitié pour petit bon Dieu. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. C'est un enfant des Hébreux. Il sentit tout de suite. Ça, c'est pour un petit monde égyptien que lié. C'est un petit monde eux. Parce que petit monde égyptien, il n'y a pas de tuer. Mais petit monde hébreu, il n'y a pas de tuer. L'histoire nous dit, le verset 7. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes, parmi les femmes hébreues, pour bailler Timounan tété. Parce que Timoun ça, il faut que l'hébreu l'ait toujours. Amen, 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 amen. Seya dit, servante Pharaon, et puis fille Pharaon, est-ce que d'accord moi aller chercher yon maman? Et puis il dit oui. La main de Dieu dirige les choses. La main de Dieu dirige les. Et puis la fille de Pharaon a dit oui. Et puis qui est-ce moun? Yo kay chercher la maman de Moïse. Et à son arrivée, qu'est-ce qui va se passer? La fille de Pharaon va donner un salaire à la maman de Moïse pour allaiter Moïse. Parce que Timoun ça, et que pour arriver là, pour manger ou manger, faut que librement, faut que jeune brûlait toujours. Mais qui l'être libre à le brûler? Même l'être maman là. Bon Dieu qu'on change mal en bien. Dis merci Seigneur. Mais bien-aimé, maman t'es peur. Il t'es crainte. Et même maintenant, y'a qu'à y payer. Bon Dieu réclame un salaire. Un travail. Pour maman Moïse. Qui travaille lié? By Moïse tété. Ah, ce tchèque, vous êtes content, oui. Vous êtes payé pour bailler chou tété. Et pourtant, deux fois maman, c'est bailler chou tété. Deux fois maman, c'est allaité son enfant. Donc la Bible nous dit, cela a été ainsi. Lorsque nous continuons dans verset 11, non, un petit peu plus haut. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Lorsque Timounan grandit, qui sa maman Moïse fait, l'imenel baille la fille Pharaon, parce que les enfants... Dans le temps, moi, quoi, jusqu'à présent, ça existait toujours. Hein? C'est environ 2 ans à 3 ans. Il était là-bas, Timon tété. Timon tété. Maintenant, Timon, comment c'est fait Tidon? Maintenant, l'être maman pas qu'à faire rien quoi pour Timon. Il faut que Timon passe à la nourriture solide. C'est ça le crié, c'est vrai. Maintenant, puisque faut que maman c'est vrai Timon, depuis maman c'est vrai Timon, donc il n'y a pas besoin de maman encore. Maintenant, la fille de Pharaon va reconnaître Moïse comme son fils. Fini, ça veut dire, job l'a fini pour maman. Ce n'est pas un CDI, ni c'est un CDD. Job l'a fini. Mais ce qui est important dans cette histoire, nous savons que c'est avec deux ans ou trois ans, il y a assez bon petit monde. Mais dans l'espace de 2 ans et de 3 ans, il paraît que
Maman Moïse, tu as été par Moïse piqûre, peuple bon Dieu. Moïse a été comprendre qu'elle sortit et boue. Verset 12 là dit nous. En ce temps-là, Moïse est devenu grand. Se grandit. Moïse grandit maintenant. C'est pas maman, pendant mon maman, il grandit. C'est à peu près 2-3 ans. Maman remet Moïse. Et Moïse a gardé. Tout ça, il a appris en le même moment, dans 2-3 ans. Moïse pas oublié. Moïse savent. Tout pendant des petits, il n'y a pas un Égyptien. Mais bien aimé, Timon, qui a fait distinction entre le bien et le mal. Entre le méchant et le monde qui n'est pas méchant. Amen, amen, amen. Timon a été senti que le pas même moun avec Égyptien. Même les levé la caillou, les grandit la caillou, mais ils savent. Il n'y a pas de la même nationalité et pays. Il n'y a pas de même bon Dieu et pays. Il paraît que dans le même petit là, ça a 2-3 ans, il est passé dans le même moment là. Maman qui a inculqué toute éducation qu'il était supposé connaître du peuple hébreu. Dis petit moi, il est arrivé, je vais remettre tout. Je ne sais pas si je connaissance, mais je vais comprendre quand même. Ou pas égyptien, ou sont dit hébreu. Et puis Moïse attendait yo, et puis il a emmagasiné yo. Il n'a pas oublié yo, il a grandi avec yo. C'est pour ça, mes bien-aimés, nous avons besoin d'éduquer Timoun yo. Pendant que yo tout petit. Le verset 11 nous dit, en ce temps-là, Moïse, attends, non, petit peu, verset 10, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Le nom de Moïse, sauvé des eaux. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Le verset 11 nous dit, en ce temps-là, Moïse devenu grand. Il n'y a pas ni 2 ans encore. Il n'y a pas ni 3 ans encore. Moïse grand, grandit dans l'éducation égyptienne. De la civilisation égyptienne. Dans toute sa égyptienne, nous avons mis dans la tête. Li, mais pas jamais oublié sa maman le dit lorsque le petit. Mais bien, il n'y a pas de prendre nous petit pendant le petit. Il n'y a pas jamais oublié. Même là, il n'y a pas parler. Mais depuis le comprendre, il a grandi avec lui un jour. Il a dit, mais tel bagaille. Pas faire bêtise devant maman. Pas faire ça. Respecter petit non. Il comprend. Même là, il n'y a pas parler. Moïse, un jour, va rendre visite à ses frères. Qui dit ses frères qui là? Le sang appelle le sang. Et puis, il a assisté au combat. Non seulement il a assisté à des travaux pénibles, que il a fait frère Lio qui a fait, mais le conseil qui a assisté à un combat contre un Égyptien qui a frappé un Hébreu. Moïse gardé Égyptien, il gardé Hébreu, il dit, monsieur, c'est frère moi. Je vais défendre frère moi. Mais bien aimé, combien de fois je dis à moi-même avec notre trahi frère nous. Parfois, chrétien qui a mis plus chrétien pour parler chrétien mal. Bye bye. Moi menti ou pas menti? Parfois, mon nom arrive sous ma chair. Premier monde qui a parlé pasteur mal. Premier monde qui a parlé l'église mal. Premier monde qui a parlé frère qui a pris la Sainte Seine avec lui. C'est chrétien. C'est pour ça l'évangile n'est pas propagé comme ça. Parce que nous n'avons pas de respect l'un pour l'autre. Nous n'avons pas de secret l'un pour. Et nous connaissons un proverbe qui dit. Les sales. Problème dans nous, nous avons dans l'église entre nous. Nous avons géré notre frère. Mais si nous ne connaissons pas connaître mon Dieu, tant que nous avons ou capable de moi, pas converti encore. Il y a des gens qui perdent sous responsabilité. Parce que nous parlons trop de paroles devant nous. La paix mon Dieu avec vous.
Qui ça Moïse qui a fait? Moïse reconnaît tout de suite. Monsieur est son hébreu. Il s'est frère moi. Et puis ça, lui-même, il est égyptien. Il est ennemi moi. Tout le monde qui est ennemi frère, c'est ennemi. Comme on dit, l'ami de mon ami est mon ami. Amen. Si l'ami de mon ami est mon ami, quelle phrase qui vient après? Alors, Moïse frappait Égyptien. Et que Moïse tue Égyptien. Et qu'est-ce qui va se passer? À cause de cela, bientôt, Moïse va pour quitter Caïphe Pharaon. Mais ce qui est important dans l'histoire, ça, c'est que Moïse entre dans le combat à cause de frères. Est-ce que vous avez défendu frère déjà? Amen, amen, amen. Est-ce que vous avez un sentiment pour défendre frère? Qui est ce monde qui te dit Moïse ça? C'est ça, ça sorti depuis le détoupi. De tout petit. Moi, songe, mes bien-aimés. Première fois, je suis grandi, je suis tout petit. Je suis fait une colonie, vacances, dans l'église qui était tout près, Bokay moi. Et puis, comme l'église nous pas fait ça, je suis allé là. Puisque mon maman m'a converti, je suis à peu près 2 ans. Et puis, nous allons aller ça, pour mes petits versets, je apprendre. Moi, quand j'étais bagay, je apprendre après, m'oublier tout. Je vais apprendre un bagay matin, en m'oublier. Mais tu verset ça, je vais apprendre l'homme de tout petit, petit. Je ne vais jamais oublier tu verset ça. 1 Jean 4, verset 8. Quand Dieu est amour, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Je ne vais jamais oublier tu verset ça. Et qui l'a monté gagné, je vais apprendre. Je suis tout petit. Sans apprendre l'homme petit, tu ne vas pas oublier. C'est ça, apprendre leur grand, ou qu'on oublie. Parce que leur grand, en fait, mémoire est en saturé, mémoire est en rempli aussi des bagailles. Et puis bon, il faut effacer. Mais sortez apprendre, le serre quoi l'on petit côté, ou pas qu'on oublie. Moïse a changé, qui sa maman le dédié, qui sa Moïse fait? Il défend, frère là, et il tue, Égyptien. C'est ça. Si mon nom t'a apprendre, c'est ça l'appli, d'y appliquer. Sans manger, l'eau aller la selle, ça qui a passé? Hein? C'est lui. Ça où aller la selle là, c'est lui même ou ka bay. Bienvenue, serviteur. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni, serviteur. Alors, nous allons continuer. C'est vrai. Donc, dans le séminaire, nous avons commencé depuis dimanche matin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui avaient déjà été dites. Dimanche matin, nous avons parlé en fait de la valeur du mariage. Dimanche soir, nous allons parler encore en long et en large. Et nous avons déjà vu le rôle du mari dans le mariage dans la famille. Hier soir, nous avons le rôle de madame, non? Et à ce soir, nous avons étudié le rôle des enfants dans la famille. Nous finissons par prendre un exemple de Moïse que je ne peux pas retourner. Mais il y a un autre exemple encore. Comment était-ce possible? Parce que dès son plus jeune âge, la maman de Moïse n'a pas négligé le travail de formation, surtout en ce qui concerne la personne de Dieu. Maman de Moïse, c'est un temps by Moïse piqûre l'évangile là. Dès 3 ans, c'est un temps dans le col. Il grandit avec piqûre ça. Et lorsqu'il devient grand, ils savent, ils sont hébreux. Ils tuent Égyptien pour défendre frère. Rappelez mon Dieu avec vous. Qui ont fait comme ça? C'est parce que dès 3 ans, maman de Moïse, inculque ça. Deuxième bagaille nous caille, Samuel était jeune quand il laissa le toit familial pour habiter
chez le sacrificateur Élie, dans le temple de l'Éternel. Vous connaissez l'histoire de Samuel. Sa maman était stérile. Sa maman était ridiculisée par sa rivale. Par Pénina, sa rivale. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se mettait en prière. La prière fervente dit juste a une grande efficacité. Dieu a répondu à la prière d'Anne, qu'il avait rendue stérile. Et l'histoire nous dit, comme Anne avait fait une promesse, si tu me donnes un enfant mâle, je vais le consacrer toute sa vie pour toi. Et c'est ce que Anne va faire. Lorsque l'enfant pratiquement avait en fait un an ou deux ans, je ne sais pas trop, maximum deux ans. Le timoun, non, c'est vrai, parce qu'à l'époque, c'est environ deux ans, il était assez bon timoun, deux ans, trois ans. Et puis, qu'est-ce qu'Anne a fait? Anne va accomplir le vœu qu'elle avait fait à l'Éternel. L'enfant veut à bon Dieu, il faut qu'on accomplisse. Le vœu, c'était quoi? D'amener Samuel à Élie pour rester à l'église, pour rester au temple, pour rester dans le sanctuaire, pour rester dans la maison de Dieu, pour être au service de Dieu. Samuel n'était pas au service d'Élie, mais il était au service d'eux, parce que le temple n'était pas à Élie. Le temple est à l'Éternel, est à l'Éternel. Élie était un passager dans le temple. Élie allait mourir. D'autres personnes allaient le remplacer. Mais Dieu sera toujours le chef de son temple. L'histoire nous dit, voici, Élie avait deux garçons. Je vais improviser parce que je ne vais pas en fait, vous garder, je vais pas vous garder trop longtemps. Élie avait deux garçons qui s'appellent Ophni et Phiné. Ces deux jeunes garçons n'avaient pas la crainte de l'Éternel. Ils faisaient du n'importe quoi dans le temple de Dieu. Quand les gens venaient pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils osaient prendre en fait, les plus gros morceaux de viande. Ils n'avaient pas ce droit. Ils ont pris plus gros morceaux de viande dans le fouet, fouchette, la pitié prise. Mais il paraît que Élie n'a pas jamais dit rien. C'est vrai, Élie a commencé à fatiguer. Avant son âge, Élie a commencé un petit peu à être trouble. Mais Élie, au moins, c'est perdu au bagaille. Élie n'a pas dit un. Et monsieur, quand vous faites ça, vous voulez. Ça veut dire, Élie, pas de cas, lever Timounio dans la voie droite du Seigneur. Et Élie et ses enfants vont payer cela. Mais bien-aimé, cette leçon est importante en ce soir. Ophni va finir mal. Phiné va finir mal. Normalement, d'après la loi mosaïque, monsieur Sayo, il était supposé remplacer papa. Yo. C'est ton dynastie que le t'es. C'est yo, lorsque papa t'est allé, il était supposé remplacer pas papa. Yo. Mais parce que papa yo, papa yo, éducation que était supposé recevoir, bon Dieu pas le rejeter yo. Et Samuel pour le remplacer. Amen. Amen, amen. Samuel, t'es juste gonti éducation que maman t'a bali. Avant de mener dans la maison. On t'a éducation de 2 à 3 ans seulement. Et puis il parle utiliser éducation ça. Il n'a pas fait même bagaille. Et puis on finit et puis fini. Et pourtant, j'ai l'intention que Samuel était là. Il était ouais. Mais là, il a fait bêtise. Samuel
pas te qu'à suivre les traces d'Ophni et Phiné. Ça fait, monsieur, de tellement belle. Histoire dit nous, je te qu'à même mener madame en dans top là. Wow! Ça, c'était vraiment trop. Mais Samuel, que faisait Samuel? Samuel était là. Samuel savait qu'il était un serviteur de Dieu tout en étant tout petit. Parce que sa maman l'avait préparé avant de l'amener au temple. Je ne sais pas, peut-être sa maman n'avait pas la pleine confiance dans Élie. Parce que vous connaissez l'histoire. Comment cela s'était passé? Lorsque Anne priait dans le temple, Élie qui était déjà le sacrificateur du temple, il n'avait pas le discernement de voir que Anne était là en train de répandre ses larmes, ses souffrances à l'Éternel. Au lieu d'encourager Anne, qu'est-ce que Élie va dire à Anne? Madame, sous au bré, elle vomit, ou en mouan, quand on te bré là. Allez passer ivresse, soit quand on sortit et puis là. C'est à ce moment-là. Anne, dans la douceur, comme nous avons parlé hier soir, de la femme vertueuse, que nous trouvons dans quel livre encore? La femme vertueuse, c'était quel livre? Proverbe combien? Proverbe 31. Anne était une femme vertueuse, une femme de prière, une femme qui savait ce qu'elle voulait. La prière qui a baoué le repos, la prière qui a changé le bagaille, la prière qui a changé la stérilité en fécondité. Bible a dit nous, lorsque Élie t'a parlé de la sorte pour Anne, Anne pas répondre Élie tant qu'on forme sauvage. Parce que la bouche de Anne était faite pour donner gloire à Dieu, pour adorer le Seigneur, pour bénir le Seigneur. Surtout, il était question de serviteur de Dieu. On ne dit pas n'importe quoi à un serviteur de Dieu. Vous connaissez l'histoire de David à Saül? David avait trouvé le moyen à mettre aux prises de tuer Saül. Parce que Saül était vraiment déraillé. Mais David a dit non. C'est un serviteur de Dieu. Si bon Dieu veut gérer monsieur, bon Dieu va gérer monsieur. Mais ce n'est pas un problème. Moi. Alors, mes bien-aimés, je ne sais pas, peut-être à cause de cela, peut-être Anne avait compris qu'elle ne devait pas amener son enfant dans la maison de l'Éternel sans être instruit. À deux ou trois ans, Samuel avait déjà la connaissance. Parce que s'il n'avait pas de la connaissance, donc ce n'est pas Élie qui allait l'instruire, puisque Élie ne pouvait même pas instruire ses enfants. Et la Bible nous dit, lorsque Samuel était dans le temple, il commençait à grandir. Et Dieu va commencer à utiliser ça, Samuel. Dieu va parler, Dieu va appeler Samuel. Mais Samuel qui était tout petit, il ne connaissait pas la voix de Dieu. Il n'habituait pas avec la voix de Dieu. Il habituait plutôt avec la voix des hommes. Ça peut arriver. Lorsqu'on est jeune, ni bagaille, nous pas vraiment, nous pouvons habituer avec nous, pouvons connaître Dieu. Mais tout ça, nous pouvons apprendre, nous pouvons aller de grade en grade. Amen. Lorsqu'on est jeune converti, conseil des bagailles, vous comprenez. Vous avez besoin d'être pour mûrir, pour bien saisir. Samuel n'avait pas encore connu la voix de l'Éternel. Il connaissait la voix de sa maman. Il connaissait la voix d'Élie. Il connaissait la voix des enfants d'Élie. Mais la voix de l'Éternel n'avait pas encore connu pour Samuel. Lorsque l'Éternel a parlé à Samuel, Samuel a entendu la voix d'une personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été vers Élie. Il a dit à Élie, mais voici. Élie va dire non, je ne t'ai pas appelé. Retourne dans ton lit. Et puis, monsieur est viré, il est couché. Et puis, un petit moment après, Samuel! Mais bien aimé, lorsque bon Dieu voulait parler, puis, il connaît non. Il a écrit. Amen. Et aussi longtemps,
Ou pour répondre de manière, il le répond, il continue à crier. Parfois, il y a des gens qui sont très rebelles. Il y a des gens qui sont Jonas. Ils sont têtus. Bon Dieu a crié, au lieu d'aller jouer bon Dieu, il a aller jouer les hommes. Et puis, deuxième fois, même bagaille là. Et puis finalement, il comprend par expérience que c'était la voix de l'Éternel qui appelait là. L'enfant, parce que l'enfant servait l'Éternel dans le temple. C'était lui-même qui était vraiment nettoyé le temple là. C'est lui-même qui était foncé il va dans le temple là. Et puis, maintenant, la dernière fois, Élie va dire à Samuel, va te coucher, mon enfant. Si jamais la voix t'appelle à nouveau, tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Et c'est ce qui a été fait. L'Éternel a appelé Samuel. Samuel dit, parle, Seigneur. Ton serviteur est. Nous avons besoin de vos oreilles, nous. Pour bon Dieu, parler dans nos oreilles, nous. Il dit ça dans la parole de Dieu. Je crois, Esaïe 50, verset 4, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, chaque matin, tu as parlé dans nos oreilles, nous. Et puis, Dieu va dire à Samuel. Moi, quand il fait un bagay en Israël, côté moun pral saisi, côté moun pral étonné. Et puis, il baye Samuel commission, baye Élie, et puis toute la maison de. Et finalement, lorsque vous saisissez l'âge de l'Éternel, et puis bon, vous est fini à les combats, en bataille, vraiment, vous passez par la mort, etc., etc. Mais qui côté Samuel te joue une éducation ça? Qui côté Samuel te joue une instruction ça? Élevez nos enfants de la voie droite de l'Éternel. Et quand il sera grand, il n'est pas capable de tout détourner. Qui connaît le verset ça encore? Hein? Dans Proverbe combien? Proverbe 22, verset. Le petit monde, nous, mes bien-aimés, pas qu'il te fait n'importe bagaille. Parce qu'il y a un jour, bon Dieu a besoin d'utiliser. Mais si nous quittons au parti, bon Dieu va utiliser n'importe comment. On appelle bon Dieu avec vous, mes bien-aimés. L'histoire de Samuel est une histoire intéressante. Comment était-il possible? Ce n'est pas la bouche d'Élie que Samuel avait appris ces choses. Ce n'est pas dans la bouche d'Élie que Samuel avait appris, en fait, la crainte de l'Éternel. Les fils d'Élie eux-mêmes étaient des hommes pervers. Et Samuel 2, verset 22 à 25. Et Élie avait attendu trop tard pour le réprimander. Élie qui t'a fait ça, vous voulez. 1 Samuel 3, verset 13. Et puisque Samuel n'a pas appris cela d'Élie à craindre l'Éternel, la crainte de l'Éternel, où a-t-il appris cette attitude? Qui côté Samuel te prend ça, mes bien-aimés? Évidemment, de sa maman. Évidemment, de sa mère. Qui avait beaucoup appris de ses expériences avec Dieu. Lorsqu'elle lui demandait de lui accrocher à un fils. Mes bien-aimés, qui tant encore me dit éducation timounio qui a commencé, qui l'est encore, même pas au berceau. À la première tête. Même quand tu maman a tombé, premier jour commencé à tête, éducation timounio comment? Parce que lors tu maman a envie de tirer tête à la bouche, il a commencé à crier. Ça veut dire commencer à comprendre nos bagailles. D'après mon Dieu avec vous. Bon, maintenant, tellement de nouvelles normes à présent. Léo Timamaïné, l'hôpital. Après, nous allons aller à la semaine. Avant, on fait Chamonti, nous. On va prendre le foot de son nom. Il faut qu'on commence à préparer ça. Oui. Même si maman n'a pas ni l'auto, même si papa n'a pas ni l'auto, ou fait Timamaïné dans la maternité à l'autre côté. Là. Si on n'a pas venu pour une chaise l'auto, il n'y a pas de Timamaïné là, non? Ou pas avant de ramener petit panier, non, maintenant la loi a interdit cela.
Il faut que tu viennes avec une chaise de voie, de voiture, pour mettre ton enfant. Vous savez qui t'a m'apprendre ça? Pendant Landry a couché. Ce Landry pas ni l'auto. Marie li pas ni l'auto. Mais il dit nous pas aborti maman. Mais il a dit ça. Hein? Finalement, là, il était sorti, ça qui passait. Nous sommes obligés de crier une soeur qui nous dit maman est petite, qui nous baisse. Il y aurait le Linda pour aller chercher. Parce que vous pensez qu'il n'y a pas venu pour une chaise de voiture. Pareil, vous changez, parce que. Ah, c'est ici, le coup, c'est quoi, t'es tout? Elle est malheureuse là. Elle dit même pas qu'elle a acheté une chaise de voiture. Puisque moi, pas ni l'auto. Moi, pas ni l'auto. L'homme là, quand vous pouvez faire ça, mais dans l'hôpital là, il faut respecter les normes. Alors, c'est comme ça, bagaille. Bon, moi, j'allais te prendre un petit moment, comme ça, je me lorsque Daline a couché, c'est moi qui suis allé chercher. Que l'unique Saint-Paul, moi, t'ai mené des berceaux. Mais, moi, je ne pas même comprendre c'était pour ça. C'est bon, parce que pas parler de travail. Mais maintenant, c'est comme ça, bagaille. Faut pour vous, c'est ça, nous t'ai fait, oui, de tracher des timonios. Même, pas de même, ça, c'est à cause de ça. Nous disons, Dieu, merci pour le progrès qui a fait dans la société. Mais est-ce que aussi, il y a progrès qui a fait dans l'évangile? Et c'est du progrès aussi, mais le monde a évolué. Mais l'évangile, chrétien oblige, en fait, refuser à prendre la parole de Dieu. L'église, où sont les chrétiens? Où sont les femmes mariées? Où sont les hommes mariés? Où sont passés la jeunesse? Ça n'a pas intéressé. Yo. Et ma première dimanche, hein. Et le pasteur a dit qu'il a fait un séminaire sur le mariage, la famille, mais comme nous ne pouvons pas marier, nous ne pouvons pas marier, nous ne pouvons pas madame, ça n'a pas intéressé nous. Mais quittez-moi, Dieu, mes bien-aimés, moi je te dis ça, je vais dire encore. Imaginez, ou quand il évangélise, ou quand je viens au monde, qui est marié, qui a des problèmes depuis mari, qui sera dit? Qui sera dit, mon nom? Puisque vous passez un séminaire sur ça. Vous supposez prêt. Pour bailler quel que soit mon nom, la parole de Dieu. C'est seulement Jean 3, verset 15, vous connaître. Mais pendant qu'on a évangélisé, vous ne savez pas ce qui nous a tombé. Vous ne savez pas ce qui nous a rencontré. Qui genre de cas vous a rencontré. Que vous mariez ou que vous ne mariez, ou besoin. Après, nous avons des bagailles. Lors de l'école. Vous avez des bagailles vous avez apprendre. Vous ne pouvez jamais utiliser. Mais l'important pour apprendre. La paix bon Dieu avec vous. Donc, nous jouons en quelque sorte ça de supposé passer comme ça. Parce que c'est là, maintenant, maman encore d'importance Timounio, qui a éduqué comme ça. Amen. Alors, merci, Pasteur Charles. Merci, Sœur Charles, d'être venu. Nous avons encore quelque chose que nous allons voir. Après que Dieu eut divisé le royaume à cause des péchés de Salomon, y compris le péché de David, parce que la première personne qui avait péché, qui a causé la séparation, la division dans le royaume, c'était le péché de David avec Bathsheba. Dieu, non seulement il a tué l'enfant. Nous voyons que Dieu avait dit à David, et puis pareil, sorti dans le caillou. C'est peut-être ça nous joigne. Et que David, avant il mort, il y a un problème, et puis il y a Salomon. Salomon courit derrière David. David courit. Absalom. Merci. Absalom. C'est pour ça que nous sommes trois. Bon, c'est pas la nouille, nous quitter ça. Ça fait suffire à notre bagaille. Nous joignons que, à cause de ça, tout le royaume de David est bouleversé. Parce que l'on fait conséquence là. L'on fait bagarre, l'on a payé conséquence. Ou qu'a payé conséquence là. Après la division du royaume, à cause du péché de Salomon, de David, la majeure partie des rois dans les deux royaumes, il y avait le royaume d'Israël.
et royaume des Juifs, des Judas. Il y avait royaume où Jéroboam était roi, et l'autre, c'était royaume d'Israël, et l'autre était royaume des Judas, c'était Roboam. Alors, l'Éternel avait ordre, avait... Ah bon, je reprends parce que là, je vais reprendre pour bien saisir la phrase. Après que Dieu y divisait le royaume à cause du péché de Salomon, majeure partie des rois dans les deux royaumes avaient abandonné la voie de l'Éternel. La majorité des rois des deux royaumes, à savoir le royaume d'Israël, le royaume de Juda, avaient abandonné la voie de l'Éternel. Mais presque chaque fois qu'on cite un roi qui avait obéi à l'Éternel, on prend toujours le soin d'identifier sa maman. Je reprends. Puisque à l'époque de la division des royaumes, et que royaume était pratiquement, la majorité était pratiquement abandonné la voie de Dieu, mais à chaque fois, bon Dieu était rejoint un roi qui était fidèle à la voie de l'Éternel, Bible a toujours pris soin pour te citer le nom de la maman de ce roi. Pourquoi? Parce qu'il paraît que c'est maman qui te prend Timon ça dès sa naissance. Nous allons voir ça. Amen. Nous allons voir cela dans 2 Chroniques, chapitre 13, le verset 1 et 2, qui peut lire pour nous. Deux Chroniques, chapitre 13. Verset 1 et 2. Amen. Est-ce que vous avez un bail non? Ou ici? Nos papas, vous avez seulement un bail non? Non, maman, verset 2. C'est bien ça? C'est bien ça, mes bien-aimés? Vous dites au verset 2? Non. Oui, oui. Au verset 2, il dit: il régna à toi, à Jérusalem, sa mère s'appelait. Sa mère s'appelait. Il n'a pas dit papa. Parce que maman, tu joué un rôle. Depuis dans le berceau, c'est pour sa première phrase que tu dit nous. Depuis maman a commencé à faire Timoun dans tête, Timoun a commencé à habituer avec l'être maman. Il a commencé à comprendre yon bas. Les mamans ont tiré tête dans la bouche. Il a commencé à crier. Ça veut dire qu'il a commencé à comprendre. Pendant que maman a fait tête, maman a passé Timoun dans le visage, il a commencé à faire un sourire. Ça veut dire qu'il commence à comprendre un petit bagage. Pendant que maman a baillé tété, lequel a commencé à habituer avec voix maman, c'est maman qui a parlé bali. Il a fait distinction de voix maman. Ti maman là tout petit. Alors, il paraît que c'était Mikaja qui était instruit Tiwa qui était venu régner là. Mon papa même ou pas jeune non papa. C'est bien ça mes bien-aimés. Est-ce que nous avons nos papa là? Nous jouons seulement ou maman. Non, maman. Ah non, maman. Son premier. Ça veut dire que, et Timoun ça, maman te prend soin pour te éduquer selon la parole de l'Éternel. Et Bible a dit nous, si nous continuons, monsieur fait un bon roi. Amen. Parce que dès que tu prends éducation, dès sa naissance, par sa main, il n'est pas fait comme les autres. Oui. Deuxième mois, nous allons joindre, c'est 2 Chroniques 24, le verset 1 et 2. 2 Chroniques 24,
faut se mettre à écrire, c'est pour ça qu'il parle. Alors Joas avait 7 ans lorsque il vint roi. Il régnait combien de temps? 40 ans sur Jérusalem. Et puis au cas où sa mère s'appelait, côté nos papa, côté nos papa, ça veut dire son petit maman. Depuis en fait, il était fête, c'était maman qui était commencé à éduquer. Ça veut dire, ça pas veut dire papa pas faire rien. Mais première éducation, première instruction, premier travail là, maman le fait, qui te commençait, bah la crainte de l'éternel, il t'a régné correcté pendant 40 ans sur Jérusalem. Troisième bagaille, nous carré, troisième roi. Nous jouons dans 2 Chroniques 25, verset 1 à 2. 2 Chroniques 25. Verset 1 à 2. Amasia fut un roi à l'âge de 20 ans et il régna 29 ans à Jérusalem et sa mère s'appelait Yoyadan de Jérusalem et il fit ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Ok, merci. Alors, comme c'est seulement ils ont fait ça, nous a cherché, c'est pour montrer combien maman yo a joué un rôle dans l'éducation des enfants. Vous savez, à la maison, maman a passé plus de temps. Et puis, tout le monde n'a pas papa. Hein? Parce que le plus souvent, maman toujours dans le cas là. Et que papa, soit l'entra, il ne travaille. Et parfois, même l'air pendant le travail, il va dans le cas là. Ce n'est pas vrai, monsieur. Bon, je ne vais pas plaguer pour nous parce que je vais agacer pour nous. Mais nous jouons ici, hein? Maman, te relé, tel monde. Mais il n'y a pas cité nos papas. Ça veut dire, première éducation, premier travail là, c'est maman qui te fait. Chers amis, ça c'est très important. Nous continuons dans 2 Chroniques 26, verset 3 à 4. Sa mère s'appelle. Alors, est-ce que ça, c'est le fait du hasard? Que Othéa, t'as dit même bagarre là tout le temps comme ça? Sa mère s'appelle là? Sa mère s'appelle là? Sa mère s'appelle là? Non, ça c'est pas le fait du hasard. Si nous te voyons une seule fois, nous te dit son hasard. Mais en fois, deux fois, trois fois de suite, c'est pas un. Et il y a d'autres encore. De Chroniques 27. Verset 1 à 2. Jotham avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem et sa mère s'appelait Jekusha, fille de Sadoc, et il fit ce qui est roi au Dieu de l'Éternel. Amen. Sa mère s'appelait. Ça veut dire, mes bien-aimés. Nous avons besoin d'éduquer Timounio depuis au tout petit. Mais première éducation, c'est papa qui a fait. Déjà, son combat pour cet papa, pour ce petit moment-là, lorsque c'était maman là tout petit. C'est pas vrai, c'est Esthésia. Ça, vous connaissez ça bien. Je ne suis pas habitué à Timbé. Je ne suis pas venu faire montre là, non? Mais bien aimé, nous jouons combien? Maman, yo. Jouer un rôle important. 2 Chroniques 29, versets 1 et 2. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem, et sa mère s'appelait Abija, fille de Zacharie. Il fit ce qui est roi au Dieu de l'Éternel, parce que mes bien-aimés, donc c'est pour justifier que l'éducation de nos enfants doit commencer
où ça? Dès la première tétée. Et puis même côté à Timon a fait une fête là. Et tout à l'heure, moi-même, nous maintenant, la science, montrez-nous, prouvez-nous que papa Timon a pu commencer à jouer pile pendant votre maman. Alors, ce n'est pas même au berceau. Timon a vraiment commencé à apprendre. Moi, quand je montre un mauvais exemple, un mauvais maman, nous avons joué dans 2 Chroniques 22, le verset 3. On nous lit ça. 2 Chroniques 22, verset 2 à 3. Combien de temps? Combien de temps tu as régné? Etc. Mais ça a régné combien seulement? Et puis nous allons continuer. Oui, tu peux continuer la lecture. Merci. Qui sa maman l'a fait? C'est l'une des raisons. Combien de temps le roi? On nous continue. Merci. Ok, on nous était là. Nous, côté, il y a montré un seul exemple là. Il y a un maman qui m'a levé petit maman là. Il y a des conseils impies. Et finalement, petit maman là vient m'a levé. Il fait un mauvais roi. Il régnait seulement un an. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence, mes bien-aimés? Est-ce que vous voyez la différence? La différence est énorme. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que j'ai encore beaucoup de choses. Je n'aurai pas le temps de terminer. On va continuer demain si Dieu veut. Mais par contre, on va passer quand même juste un petit passé nous a fait dans le Nouveau Testament. C'est juste en fait pour mettre un petit peu de l'eau à la bouche. Nous allons dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 15. De Timothée 3, le verset 15. Dès son enfance, tu connais les sept lettres qui peuvent te rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Merci. Qui ça, apôtre Paul qui a dit Timothée là? Qui ça, apôtre Paul qui a dit Timothée? Depuis qui temps Timothée commençait à prendre la parole? Dès son enfance. C'est pas là Timothée venu grand homme. Il était commencé à prendre la parole, qui était à prendre, faire le sage au ça, au salut. Amen. Mais bien aimé, ce sont des choses qui sont vraiment intéressantes. Et nous avons besoin de les apprendre. Non seulement pour nous-mêmes, nous kaywe. Ça encore d'autres choses demain si Dieu veut. Mais non seulement ça bon pour nous-mêmes, mais ça bon aussi pour petit nous. De Timothée 1, le verset 5.
Merci, merci. Merci. Sœur Chemé, ou pas qu'il n'y a choisi non ça, puis souhaitez prendre le temps déjà dans l'étude biblique là, capacité au degré là. D'accord? Ou pas changer ça? Non. Ça me dit, mais si vous ne comprenez pas, c'est que vous ne pas changer ça. Ok, on va quitter ça. Non, mais ici, il y a nos jeunes Eunice. Ou à côté moi, il y a présent. Ou à me changer, bah, il faut essayer de ne pas changer. Alors, histoire dit nous, ça Timothée apprend, non? C'est depuis notre grand-mère, lui. Il était temps, grand-mère a été inculqué, maman Timothée, ça, qui était Eunice, et grand Eunice, en fait, maman Eunice était Ayoli, Loïs. Bon, et c'est pas comme ça aussi, non? Pas qui côté, c'est déjà tes bains, non? Même pas pourquoi ça débat non ça parce que Loïs là c'était oui mais Loïs là aussi c'était grand moins tout on pas de compte ça non maman c'était maman terrible Loïs ah ou après nos bagarres là Tessia ah ou tu fais couper les armes mais bon Dieu te dirige le bien non dis bon Dieu merci mes bien-aimés alors Timothée en fait il t'est joint ça dans sang. Grand-ni t'a inculqué ça à maman et maman t'a inculqué ça depuis le tout petit. Et Timothée, vraiment, c'est ton homme apporté pour le terrain en pile. C'était l'un des enfants de la foi de Timothée. Il y avait Timothée, c'était deux jeunes pasteurs, c'était Timothée et Tite. Et il y a écrit épître pastorale, des jeunes pasteurs. Donc, deux messieurs Sayo, vraiment, apôtre Paul, te fanpil, pour te instruire, continuer et puis. Mais bien aimé, l'important à soi, pour nous comprendre combien l'important vraiment, Walt Timon nous. Et quand il y a des choses, je ne peux pas dire parce que si je dis maintenant, c'est nous qui avons couru, nous ne pouvons pas dire saisir, nous avons quitté pour demain si Dieu veut. Mais je souhaite que vous même quittez la soi, faites fort pour là, demain. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire concernant le rôle des enfants. Si toi-même qui n'es pas mal, au besoin instruis-tu mon Dieu. Amen. 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 Et là, nous instruis-tu mon Dieu. Verset moi été utilisé. Il dit lorsque vous apprenez-tu mon Dieu, vous faites-tu mon Dieu grandir, vous éduquez-vous dans la voie droite du Seigneur. Lorsque vous grand, vous pas qu'à détourner de la parole de Dieu. Ou pas besoin de peur. Et demain, si Dieu veut, nous allons comment éduquer les enfants dans la voie droite du Seigneur et tant d'autres choses encore. Mais au Soya, nous faisons parcours de l'Ancien Testament. Si ce n'est que les deux versets que j'ai utilisés dans le Nouveau Testament. Mais je crois en toute sincérité, mes bien-aimés, nous ne sommes pas capables de négliger l'éducation de Timon. Négliger l'éducation de nos enfants d'aujourd'hui, c'est détruire le monde de demain. C'est détruire le monde de demain. Parce que le travail là que nous faisons là maintenant, nous ne pouvons pas fruit aujourd'hui, mais demain, à moins que si Jésus retournait, nous t'en retournait tout de suite. Mais si Jésus ne pas retourner tout de suite, nous avons un travail pour nous faire. Surtout dans l'église, nous-mêmes qui chrétiens, pour ne pas comprendre que Timonio ne doit faire ça, vous voulez, nous ne doit pas parler avec eux, ne pas comme, etc. Non, mes bien-aimés, nous sommes responsables. Et nous allons voir ça demain, si Dieu veut. Et comment faire respecter, comment faire progresser, comment faire, en fait, agrandir, comment faire agrandir la foi de nos enfants. Sans la foi, nul n'est agréable à. Et si tout le monde n'a pas la foi, ça veut dire qui ça? Tout ça qui n'est pas agréable. Vous savez, on entend ça maintenant, qu'on n'a pas quelqu'un qui est désagréable à bon?
Et les désagréables à bon Dieu, yo agréable à qui moun? Est-ce que nous avons fait petit bail Satan, mes bien-aimés? Est-ce que nous d'accord fait instrument pour Satan? Non, Satan toi méchant. Si je dis pour nous manger un morceau de pain, faut que nous souhaitons, faut que nous goûtons, c'est parce que Satan t'a séduit nos premiers parents. Nous pas aimer Satan. Nous pas bien puis Satan. Satan c'est ennemi nous mes bien-aimés. Et il dit il qu'a suivre nous, qu'a poursuivre nous. Oh, si nous t'a étudié en profondeur Apocalypse chapitre 12 pour t'a comprendre qui ça qui signifie femme non qui fait timoun non et que en nous était là. Babadol. Diable qui a poursuivre nous mes bien-aimés jusqu'à la porte du ciel. Lorsque la trompette a sonné, l'église a enlevé. Diable n'a pas qu'à quitter nous passer comme ça, nous dans l'espace. Bon, son étude très fort, ça a besoin de l'enseignement. Mais lorsque la trompette a sonné, que l'église a enlevé. Pas comprendre l'église a enlevé, mouté comme ça, sans opposition, non? L'abjoint opposé. En pile opposition. En pile opposition. Ça veut dire, même les. Nous finissons sauvés après tant de combats sur la terre. Tant de lames nous versées sous terre. Parce que souvent, mes amis, vous savez, vous avez le monde qui était dans l'évangile. Ça coûte un peu l'âme. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas quitter l'évangile. Ils pleurent un peu lui. Il y a des gens qui passent dans l'évangile. Ils ne peuvent pas pleurer. Il y a des gens qui vont dans l'église parfois. Vous pouvez pleurer, oui. Pas pleurer devant le monde. Mais si vraiment bon Dieu pas de kembe au vrai, vous te dis ah non. Moi-même, ma vie quitte. Ma vie quitte. Bah, elle a chaud. Ça me lâche chaud, ma pierre. Mais il faut que vous traversez le désert. Quant à Canaran, il faut que nous vivions Canaran. Après tant de larmes, mes bien-aimés, il faut que nous vivions quand? Quand même. Mais nous disons, bon Dieu, merci. Mon bon Dieu, sauvez-la. Il mettait seul sous roi. Ou a besoin de tribulation. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas beaucoup de tribulation. On a besoin de tribulation. On a besoin d'épreuves, on a besoin d'angoisse. Yo. Mais, nous payons bon Dieu gloire. Nous payons bon Dieu gloire. Parce que bon Dieu, c'est bon. Les papes quittent nos perdus. La fait chemin avec nous. La fait route avec nous. Le diable a barré nous à droite. La passe à gauche avec nous. Le diable a barré nous devant. La passe derrière avec nous. Et lorsque le diable a barré devant, le barré derrière, le barré sous côté, le barré tout partout, la volé avec nous. Facile, c'est aigle là. Amen. Et l'aile volé, le guisel passe le diable là. Le diable n'est pas capable de suivre lui. Non, vol lui. Facile, c'est aigle. Le diable là, c'est poule. Poule pas qu'à voler. Poule pas qu'à voler. Seigneur, c'est aigle. Aigle, c'est l'image que tu as. L'aigle, c'est l'image, mon Dieu, nous. Et nous disons, mon Dieu, merci. Le diable a peut faire salve. Soa sous nous. Mais nous écrit dans le plan, mais bon. Mais nous écrit dans le plan, mais bon. Ah, si vous avez le diable, c'est quand même facile. Il t'a effacé, lui. Il écrit dans le plan, mais bon. Il n'a pas écrit avec l'oc. Et naturel, non. Il écrit avec sangé. Il écrit avec coup de biré, Jésus te prend sous la croix. Il écrit avec coup de biré, coup de couloir, Jésus te prend sous la croix. Thomas dit, moudre mieux, Jésus dit mieux. Alors là, mes bien-aimés, en vérité, le diable n'a pas qu'à être facile. Jésus paye. D'être là. Que bon Dieu béni. Que bon Dieu béni. Merci encore d'être venu. C'est parce que c'est pas terminé. Et aujourd'hui est jeudi. Nous avons intercession. Mais bien aimé, ce dernier jeudi, nous avons passé dans l'année 2018 là, pour nous entrer dans l'année 2019. C'est vrai. Nous n'avons pas motivé pour passer dernier jeudi. Mais nous avons motivé l'église là pour le premier jeudi. Amen. C'est ça où est la dîme. Tout premier c'est pour bon. Dimanche là c'est premier, c'est pour bon Dieu.
Je dis, si Dieu veut, moi, je souhaite, jeudi soir, je souhaite que tout le monde qui est dans l'église a fait fort. Puis nous participer dans l'intercession. Ça. Et nous allons changer le service ça, d'une manière vraiment selon bon Dieu qui apprend plaisir encore plus. Amen. Je vais commencer, motivez-vous dès maintenant pour jeudi soir, si Dieu veut. Nous allons essayer de commencer un petit peu plus tôt pour nous jouer l'heure, pour nous jouer le temps. Pour nous ouvrir zèle nous devant le Seigneur. Parce que bon Dieu mérite ça. Amen. Mercredi, si Dieu veut, c'est le premier mercredi dans le jeûne. C'est le premier jeûne nous faisons dans l'année. On nous baille Seigneur un jeûne mercredi, mes bien-aimés. L'église, on nous baille Seigneur un jeûne mercredi, si Dieu. On nous commence l'année à bien. Tout ça va finir bien si ça te commence bien. Amen, amen. Si vous mal commencé ou pas bien fini, à moins que si bon Dieu fasse grâce. C'est seulement le moment où je viens de prier comme ça, oui. En plus, le monde, la vie a mal commencé. Et puis Jésus corrige. Amen. Mais dans le monde, pour mal commencer, ou mal commencer, tu dois mal finir. Jean-Jacques Abon, nous, c'est comme ça, dormi. La paix, bon Dieu, avec vous, frère Semé. Mon qui a été pour une session. Et c'est tout à l'heure intercession. Hein? Moi, j'étais là, c'est parce que faut que moi là pour demain matin. Ah, parce que je suis supposé être en temps place environ 1h30, 2h. Après intercession, quand il passe un petit moment encore là.